temple de la renommée du ski des Laurentides vient d'introniser le premier planchiste. Jesse Jenderson de Mont-Tremblant vient encore d'écrire une page d'histoire le 22 octobre dernier. J'ai jamais été le meilleur pour accepter les honneurs, mais tu sais, j'apprends aussi. Plus on en a, ben plus on apprend à les apprécier puis les accepter. Surtout avec l'âge, on attache beaucoup plus de sentiments à ce qui nous est offert en termes de reconnaissance. Donc, veux pas, à 41 ans, ça commence à être ancré plus loin quand on reçoit ça. Donc, j'étais très honoré quand je l'ai appris. Depuis 33 ans, le Musée du ski des Laurentides intronise 4 ou 5 personnes qui se sont démarquées d'une quelconque façon dans l'histoire du ski. Évidemment, l'histoire du ski, c'est l'histoire de l'ancien temps, des légendes, des pionniers du ski. Mais on voit qu'on arrive maintenant à une nouvelle ère, l'ère plus moderne, avec des gens qui participent à des techniques de ski ou de planche qui sont différentes, qui sont de nos jours. Alors, ça nous fait grand plaisir cette année d'accueillir le premier planchiste, Jesse Jenderson. En plus d'avoir représenté le Canada à 5 Jeux olympiques, il a remporté la médaille d'or lors des Jeux de Vancouver en 2010. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, les vieilles habitudes des gens qui pensent que les planchistes, c'est tous des bad guys sur les pentes de ski. Évidemment, ça a évolué beaucoup. Puis on est très heureux d'avoir au Canada le planchiste qui a été numéro un au monde pendant longtemps, J.C.J. Anderson, qui a gagné la médaille d'or en snowboard aux Olympiques de Vancouver et qui a gagné aussi de nombreuses Coupes du monde, puis la Coupe du monde, la saison de la Coupe du monde pendant des années. Il est monté à 19 reprises sur le podium de la Coupe du monde en slalom géant parallèle et en snowboard cross. Il a gagné la Coupe du monde pour la saison en snowboard pendant 4 années consécutives et 2 années en snowboard cross. Alors, comme Nancy Green a été la meilleure au monde, comme Jean-Luc Brassard, qui est ici ce soir, a été le meilleur au monde aussi en bosse, bien, J.C. Jenderson, on peut dire qu'il a été, puis pendant longtemps, le meilleur au monde. L'intronisation au Temple de la renommée n'est pas la première reconnaissance que reçoit J.C. Jenderson depuis les dernières années. En plus d'un parc, une piste de ski porte son nom à Mont-Tremblant. Est-ce qu'à un certain moment, un athlète s'habitue à recevoir des honneurs? Oui, puis non. C'est difficile de répondre si on s'habitue à ça, mais c'est toujours une belle pensée. Puis dans le fond, ce qui me vient à l'esprit, c'est toujours les gens qui m'ont aidé à travers mon parcours en tant qu'athlète pour arriver au point où est-ce que j'en suis rendu. Et c'est de penser à eux plus que l'honneur même. C'est un peu égoïste d'offrir, dans le fond, l'honneur. Il faut l'offrir à une personne, mais c'est toujours une équipe, dans le fond, de centaines et de milliers de personnes qui m'ont aidé à travers ma carrière. Si les honneurs viennent souvent lorsqu'un athlète décide de prendre sa retraite, ce n'est pas le cas pour Anderson, qui sera encore sur sa planche cet hiver. Heureusement, je fais encore de la compétition. Même à 41 ans, j'ai les jambes pas de 20 ans, là, mais les jambes de Coupe du monde. Puis honnêtement, je m'attends à une de mes plus grandes saisons cette année en termes de résultats. Ce qui est drôle à dire, mais on a fait tellement d'avancements en équipement dans les dernières années, puis c'est exponentiel d'année en année. On ajoute beaucoup plus de connaissances puis d'évolution. Donc, veux pas, ça égale du temps. 4 autres personnes ont aussi été admises au Temple de la renommée. John Fry, Roger McCarthy, Doug Fryer et Gérard Seigman ont également été intronisés. En plus de rendre hommage aux athlètes des différents sports de glisse des Laurentides, cette soirée permet au Musée du ski de renflouer ses coffres. C'est une soirée bénéfice en même temps. Puis ça donne l'occasion aux gens de devenir membre au musée. Ça coûte 20$ être membre au musée. Le support est important à la fin. Nous, on est bien supporté par la MRC et la Ville parce qu'on n'a pas de loyer. Puis la Ville, en plus, nous donne un certain montant d'argent. C'est comme ça qu'on y réussit. Mais je ne peux pas dire que ça a toujours été comme ça. Près de 200 personnes ont assisté à cette soirée.